Tu cherches des crédits FUT, alors je te conseille d'aller sur IG Vote. Tous les liens et réductions sont dans la description. T'en as marre de te faire laver par des boîtes 3 en FUT champion? Il est nul! Il est nul! Alors check Level Up, la boisson énergisante des gamers qui va te permettre de focus. Tous les liens et réductions sont dans la description. Les gars, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, moi ça va très très bien. Et aujourd'hui les gars, FUT Champions avec Pedri. Et oui, on va tester Pedri, la carte vraiment star de cette équipe Future Star. La carte que tout le monde attendait, la carte la plus monstrueuse, sûrement un des meilleurs milieux de terrain du jeu. Du coup, on va partir sur du gameplay FUT Champions. Je vous montre rapidement comment j'ai joué. J'ai joué de deux manières. On a joué en 4-1-2-1-2-2. Avec du coup Pedri en MC gauche, voilà. Au niveau des instructions, je lui ai mis libre et offensif, couvrir centre, voilà. C'est une tactique très offensive. J'ai fait le FUT Champions en mode bas les couilles. Enfin, je vais pas dire bas les couilles parce que j'ai joué vraiment sérieux, mais j'ai vraiment tenté. J'ai joué tout pour l'offensive et sinon, j'ai joué en 4-2-2-2 comme ceci avec Pedri MOC gauche. Et au niveau des instructions, on l'a mis cette fois-ci, revenir en défense et rester aux abords de la surface. C'est très intéressant de lui mettre, revenir en défense parce qu'il est monstrueux en défense. Du coup, les gars, je vais vous laisser avec la vidéo. Restez bien jusqu'à la fin parce que je ferai un petit peu le débrief de l'équipe. Bon visionnage. Ouais, il est beau. On l'a niqué avec la cancel. Oh, les mecs, ils font que... Enfin, ils font rien. Je dis, ils font que de la def auto, mais en fait, ils font rien, du coup. Oh! C'est pas possible. Oh, c'est pas possible. Mais qu'est-ce que c'est que ce match, les gars? C'est que du mental, les gars, je vous jure, c'est que du mental. J'ai pété. Non, vas-y, c'est pas fini. Gros, c'est quoi ce match? J'ai vraiment failli perdre ça. Je vais devenir fou. Les gars, franchement, en vrai, j'ai ragé, hein. Mais bon, après, voilà. Hein. Hier, j'ai fait une bonne soirée. J'ai encore la gueule de bois. Du coup, je vais pas avoir un niveau de ouf, ce fut champ, je le sais. Ça doit rentrer, sérieux. Le beau jeu, gros, c'est toujours... Enfin, ça ne rentre jamais. Ouais, il est beau. Là, on a été calme. Ah voilà, on n'a pas tapé du poing sur la table. Non mais gros, c'est trop le match d'avant, vraiment. Je vais m'en souvenir, hein, je vous le dis. Ouais, vamos, bien joué ça. Il est beau celui-là, belle remise aux Ezebio. Let's go Ezebio, allez, rattrape-toi parce que là tu m'as déçu le premier match. Allez, c'est bien. Allez, 4-0 là.
Ah, vamos! Bien ça, Eusebio. Allez, 5-0. Ah. C'est trop ce match. Hein. Il est pas hors jeu. Putain, incroyable le placement. C'est un truc de ouf, les gars, le placement de Zébio là. Hein. Vous vous rendez pas compte? Allez là! 12 matchs restants, let's go! Ah, je suis à deux doigts de tout casser là, c'est pas possible gros. Ah vas-y, c'est trop là, vraiment. Ça fait beaucoup hein. GG à lui, franchement. Franchement, c'était vraiment un beau match. Tu vois, il y avait du piment. Ah, il est incroyable le but là, hein. C'est incroyable, l'action elle est incroyable. C'est un truc de ouf l'action là. Il est fort quand même le mec. Ouais, il joue bien, il joue bien, il joue bien. Très bon adversaire en vrai. Vraiment, c'est un beau match, tu vois, même si c'est chiant de perdre, franchement quand c'est des beaux matchs comme ça, bah franchement il n'y a rien à dire. Hein, là. Tu joues des vieilles merdes, sérieux, lui gros, il a l'air d'être atroce et regarde, déjà 2-0 en 6 minutes. Oh la faute. Vamos, allez là. Ah, il est mauvais gros, vas-y. Enfin, il est pas mauvais, mais vas-y gros. Il doit jamais mener 2-0 ce gars-là. Oui, vamos là! Putain, allez, let's go là! Allez, dégage de là! Tu mènes 2-0 là, c'est quoi ce jeu là? Ah, c'est que dans la tête les mecs, hein. C'est que ça. Hein. Là, je m'agace pas parce que vas-y, c'est bon, j'ai 34 ans maintenant. Enfin, je dis ça, la semaine prochaine, je vais tout casser, mais... Ouais, j'ai mal défendu, vas-y. Vamos, il est magnifique là, allez, c'est bon quoi. Ah, j'en ai marre de dire Vamos, là je dis Vamos juste parce que tout le monde le dit, c'est bon.
c'est trop. Là, par contre, sur la vie de ma mère, ce qu'il a mangé, c'est beaucoup trop. Ce que je viens de lui coller, ça devrait être interdit par la loi. Ouais, bah ouais, qu'est-ce que tu veux dire? Bien joué! Bah bien joué, c'est bien joué. Bien joué, gros. C'est très bien joué. Bah, c'est Ronaldo, hein, vraiment. Y'a que lui qui l'aimait, celle-là. Je suis vraiment un fils de pute. Il va pas la mettre, non vas-y, c'est un enfer. C'est un enfer, hein. J'en ai raté 3 immanquables. 3 immanquables. J'ai perdu. Ah ben là c'est certain que j'ai perdu. Joué. Non, franchement, rien à dire. Bien joué. Il sort bien. Bien joué. Ouais, franchement, voilà. Bien fait pour ma gueule. J'avais qu'à pas louper au début. Pedri. Oh Pedri, ce que tu viens de mettre. Incroyable. Incroyable Pedri. La dinguerie Pedri. Vamos là. Putain, allez là. C'est quoi ça? C'est incroyable! C'est dommage, hein? Franchement, je faisais 18 faciles, là. Ah ouais, il a craqué, hein. Il a craqué sur la fin. 34 ans, mon vieux, hein. 34 ans et... On cancel comme des gamins de 18 ans. On cancel comme des jeunes puceaux. Qui sont juste des pucelés des pouces. On est gentil en plus, tu vois. Là, non seulement j'ai bien joué. Mais en plus, je suis cool. Je lui donne le... Je suis clairement pas obligé. Hein. Quand tu vois les saloperies que tu joues, mon vieux. Le délire, c'est que les mecs te disent jamais merci, quoi. Mais bon, bref. Le petit 16-3, du coup. Franchement, pas mal. On a mis quelques buts sympas. Et j'aurais pu nettement mieux jouer, les gars. L'équipe, franchement... Bah forcément, ça aide, hein, elle est juste insane. Du coup, les packs, bon, on les ouvrira plus tard. Et du coup, l'équipe, ben voilà, hein, c'est incroyable. Hein. Bon, voilà, on a mixé en fait le 4-1-2-1-2-2 et le 4-2-2-2. Avec forcément au milieu centre, Pedri et Paqueta en MDC, Kanté. J'ai plus souvent joué en 4-2-2 avec Pedri MOC gauche. Il vaut mieux le jouer MC, hein, vraiment, je vous le dis. Après, on va regarder un petit peu, hein, on a fait quelques passes D. Voilà, on a mis 3 buts. Non, il est monstrueux. Franchement, il est monstrueux. Après, c'est vraiment en MC qu'il faut le jouer. Vraiment une dinguerie. Eusebio, je suis curieux de voir son bilan. 22 matchs, 13 buts, 16 passes D. Pas étonnant qu'il ait fait beaucoup de passes D parce que regardez, hein, c'est vraiment une carte de passeur. Voilà, c'est le Eusebio le meilleur en passe. Je crois même qu'il est meilleur que le Prime. À confirmer, mais en tout cas, juste une tuerie. Après, Paqueta, bien sympa, mine de rien. Hein, bien sympa, même s'il n'y a pas trop de passes D de buts. Neymar, évidemment, comme d'hab. Non, franchement, une tuerie. Death, les gars, si vous voulez me demander aussi, c'est trop fort. Enfin bref, c'est une équipe de monstres. Du coup, les gars,
Je vais vous laisser là-dessus. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Bah, écoutez, je vous souhaite un bon début de semaine. Prenez soin de vous. Et on se dit à très vite. Ciao, ciao. Je vais aller dormir, je suis mort.